Donnez-moi 2 minutes pour parler aux Anglish et je reviens. Hi everybody, today I'm doing a French video. It's the first French video in 4 years and I have a new haircut, I have new glasses, I have a new freaking room, okay? I was supposed to live in the basement here and they moved me downstairs and now they moved me here. The next logical step is the roof, which either means I'm kicked out or I'm the Beatles, which I'll take any of those two things. And aujourd'hui, on réagit au nouvel album de L'Homme Pâle qui vient de sortir. En fait, j'ai écouté sur France Inter hier dans la voiture avec ma maman et j'ai trouvé ça intéressant. Il était en train de parler des Strokes, j'avais pas réalisé que c'était L'Homme Pâle. J'étais en mode ah, mais c'est L'Homme Pâle, c'est cool. Et j'aime bien la version de T qu'ils ont faite avec une approche plus live que ce que j'avais entendu de L'Homme Pâle avant. Je connais pas trop L'Homme Pâle. En fait, je connais pas trop ce qui se passe dans le rap français en général. J'ai vu même la chaîne, il y a genre 300 vidéos, c'est beaucoup de trucs en anglais. Bref, on s'en fout. On rentre dans le tas. Et puis, abonnez-vous, en fait, si vous voulez que je m'achète une nouvelle caméra un peu décente. Let's go! Toujours bloqué dans la mauvaise zone. C'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé. Putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le piège se referme. Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire. Pas de tapis chez moi, que des mauvais textes raturés qui recouvrent le sol. Pas de miroir pour me voir, je me sers un grand verre de rhum pur sur une goutte de soft. J'ai un pouvoir comme Superman, ouais ouais, je suis super à l'aise quand je suis super seul. Cette fille pour moi, elle est tout, pour elle je suis personne et j'arrive pas à lui montrer. Dans la mauvaise zone, c'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé, putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le piège se referme. Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire. On parle la même langue mais on se comprend jamais. Serait peut-être temps que j'admette que je viens d'un autre monde. J'en suis sûr pour une fois ah. Et si je cherchais des signes, je finirais par en voir ah. Je connais toutes vos manières, vos différentes voix ah. Je m'entraîne à vous ressembler en me déchirant le foie ah. Plus j'essaye d'être moi-même, plus le courant foie ah. J'ai peur de devenir l'image que je renvoie ah. Dans la mauvaise zone, c'est ma faute, j'ai mis les bons mots dans le mauvais ordre. J'ai encore tout emmêlé, putain, ça avait tellement l'air simple dans ma tête. Tu me trouves étrange et le bien se referme. Ne me demande pas d'être comme toi, je sais pas le faire. Ok, j'aime bien cette petite outro chill. En fait, j'aime bien cette chanson. C'est la chanson titre. Après, pour moi, c'est pas forcément un tube, mais c'est cool.
J'aime la grosse basse. En fait, j'avais pas de système audio là pendant les vacances et ça fait du bien de retrouver un truc avec un sub à mes pieds et de sentir le groove batterie basse. La basse est grosse ici d'ailleurs, ouais. C'est pas juste une façon de parler, c'est un choix de production. J'ai l'impression que l'attaque est faite au médiator ou au plectre, hein, vous parlez comme vous voulez, bande de bassistes. Bah c'est pas hyper commun finalement. J'ai pas 10 000 exemples de chansons de rap en tête qui me viennent où c'est juste un truc avec une vraie batterie acoustique organique comme ça et une attaque, une grosse attaque de basse comme ça, c'est sympa, les accords tout simples. Et du coup, t'as un peu de texture, guitare synthé, mais qui prennent cher du coup, parce que voilà, il faut laisser de la place pour le groove, pour la basse notamment, donc c'est pas très fort dans le mix. C'est assez chantant finalement. L'homme pâle là dans tout ce qu'il nous déclame, il rappe, mais il y a de la mélodie dessus. Il y a même un petit peu de tuning, je pense, pour tighten le truc et que ce soit parfaitement juste, quoi. J'aime bien ce qu'il disait sur les textes raturés. Le fait qu'il n'y a pas de tapis chez lui, il n'y a que des textes raturés. Ça me rappelle un peu un clip de Big Flo et Oli il y a quelques années, je dirais 4-5 ans, où c'était un peu leur retour et puis. Il montre Flo dans une grotte, je crois, arctique, qui rature des trucs. Il dit merde, merde. Je peux dire merde parce que de toute façon, il y a des gros mots dans la chanson. Donc, YouTube, it's cool. Et j'aime bien aussi ce qu'il dit sur le foie, le fait de se défoncer le foie pour faire comme les autres et d'avoir peur de l'image qu'on renvoie et de devenir cette image-là. Ça, c'est assez touchant. Bah, c'est un vrai problème de jeunesse, en fait. De vouloir s'assimiler et donc finalement tu finis parfois par te dissoudre parmi les gens avec qui tu traînes alors que bah tout le monde ne veut pas forcément en fait se droguer je dis se droguer c'est l'alcool aussi hein, c'est une drogue mais ouais si vous voulez pas boire les enfants si vous voulez pas prendre de la drogue ben bah, ne le faites pas surtout le LSD c'est dangereux ne prenez surtout pas de LSD. Ah, il a un truc avec les degrés, lui. Sa grand-mère, la pute, j'ai rêvé que j'étais quelqu'un de premier degré. Journée fantôme, Paris, mi-août, verre de rhum à 50 degrés. Je le sirote sous 50 degrés, y'a quelque chose qui cloche. Je sais que cette existence sera intense jusqu'au dernier quart. La voyante sursaute à chaque fois qu'elle retourne une de mes cartes. Juste une vie pour apprendre à vivre, comment tu veux faire? Je sais même pas où je vais, je fais que suivre les feux verts. Et c'est le meilleur, je suis au bon endroit. Comme il faut, mais je suis au bon endroit. C'est la meilleure, je suis au bon endroit. Let's go! Que des mauvais chemins, mais je suis au bon endroit. Tout le monde peut devenir une star, même un Stan. Mais moi, dans n'importe quel corps, je trouverai le moyen de remplir un stade. Bien sûr que j'aime le goût du power. Dis-moi que j'ai mauvais fond, je te répondrai bah ouais. Comme ça, ça va vite, tu te casses et tu te racontes ta petite histoire. C'est bizarre que des gens bizarres, leur musique est bizarre. Putain, j'aurais dû méfier en voyant le maudite soit cette ville, la vie serait bien plus supportable ailleurs. Trouve-moi un miroir, je demande des vacances à mon employeur. 14 heures d'avion pour avoir le droit d'admirer l'Éden. Si j'étais pas riche, c'est sûr j'aurais des dettes. Short, pina, claquette, chaussettes sur du reggaeton. J'ai fini par devenir le douchebag que je rêvais d'être. Oh, soit c'est ce monde, soit c'est moi. 5 ans que j'ai grimpé la falaise, là c'est mon écho qui parle. J'ai un truc à faire avaler, là c'est mon ego qui parle. Juste une vie pour trouver un sens ou profiter des 5. Est-ce que j'ai le temps? Je sais pas, y'a pas marqué où s'arrête mon aller simple. Comment je vais? 8 millions de façons de voir le dessin. Peut-être toujours, peut-être jamais sain, je suis pas médecin. Oh Dieu, comprends-moi, je recherche le goût de la aujourd'hui le soleil est plus chaud que jamais. Le sol se dessèche et je gonds sur la paille. Bien sûr c'est la fin du monde et j'ai un peu peur de pas avoir le temps de te faire payer tes wow. T'as voulu me mettre dans la wow. Et maintenant tu baffes comme un wow. Regarde-moi je suis bien dans ma wow. Regarde-moi, je suis en train de surfer le dernier tsunami. La fin approche, mais avant ça, t'inquiète pas, tu payeras pour tout tes wow. J'oublie jamais ce qu'on wow. J'oublie jamais
quelle aubaine. Aujourd'hui le soleil est plus chaud que jamais. Le sol se dessèche et je bronze sur la paille. Bien sûr c'est la fin du monde et j'ai un peu peur de pas avoir le temps de te faire payer tes wow. T'as voulu me mettre dans la wow. Et maintenant tu pars comme un wow. Regarde-moi, je suis bien dans ma wow. Regarde-moi, je suis en train de surfer le dernier tsunami. La fin approche, mais avant ça, t'inquiète pas, tu payeras pour tous tes wow. J'oublie jamais ce qu'on me wow. J'oublie jamais, no. Super belle gamme. C'est à la fois blues et hispanisant, comme dirait mon prof de guitare. Et arabe. Punaise, c'est beau. Ah, celle-là, elle a... Bah, le premier truc que j'ai marqué, c'est « goes hard ». C'est juste « go hard, dude ». C'est du lourd, il y a des métaphores à tous les tournants en fait, à tous les vers, c'est beaucoup de trucs sur la mort, beaucoup de... Ouais, beaucoup de réflexions finalement, une seule vie. Est-ce que c'est suffisant pour savoir vivre? C'est vrai que ça n'a aucun sens si on le regarde de cette façon-là. Mais c'est, ouais, c'est juste un banger celle-là en fait, et puis il a bien choisi son moment pour la sortir du coup avec les canicules de cet été, c'est drôle. Tous les 50 degrés dont il parle. Et bah ouais, encore une fois, ouais, j'aime l'outro. J'aime ce choix de partir sur un truc qui est différent, qui est un tant soit peu aventurier. Il aurait pu juste laisser cette track être un banger en fait de 3 minutes 30 et voilà. Et ça aurait été peut-être plus marquant, mais il choisit d'a calmé à la fin avec un truc plus piano classique et tout. Bah, ils avaient évoqué ça justement dans son interview France Inter. À part ça, franchement, je sais même pas quoi dire sur la chanson. Enfin, c'est juste du lourd. Et niveau production, bah, ils font un truc qui est quand même un peu plus électronique que du coup la première piste. Mais j'entends quand même... ouais, j'entends des trucs qui ressortaient encore une fois dans l'interview de France Inter. Si vous avez pas vu, allez-y, je me souviens plus du nom de l'émission, je le mettrai dans la description. En gros, t'as des beats électroniques, mais il y a peut-être une partie qui est faite par un vrai batteur avec des pads, avec une batterie électronique, justement, des trucs comme ça, quoi. Je sais pas si c'est que des samples ou des choses comme ça. Il y a une certaine vie dans cette musique qui, encore une fois, je sais plus quoi dire, hein, est ravivée par ce petit piano acoustique à la fin. Elle m'a menti pour me protéger. Je suis un glouton, j'ai tout mangé. Oh, ça y est, ça fait 2 mois. Je suis plus qu'une moitié, je suis plus que moi. Et me voilà à parler à une photo de nous sur le quai. Elle a l'air si gaie. Comment deviner ce qui l'animait, ce qui l'a fait quitter la fête? Rien qu'une petite entaille. Évidemment que je vais pas d'aille. J'suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. Petite entaille. Si Dieu veut, je vais pas d'aille. J'suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. Solide. Quoi tu penses? Qu'est-ce tu bricoles? Tennis, je parie que tu colles. Que ton service te rend
folle. Ce soir je reverrai ton match avec un peu d'alcool. D'ailleurs j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit, juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit. Je te demanderai même pas de raison. Je veux juste qu'on fasse comme si t'avais pas quitté la maison. Y'a deux saisons, mais c'est rien qu'une petite entaille. J'suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. Solide. Et rien qu'une petite entaille. Évidemment que je vais pas taille. J'suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. Petite entaille. Si Dieu veut, je vais pas taille. J'suis à peu près sûr d'être à peu près quelqu'un de solide. Encore une outro! Oh, j'aime ces outros, dude. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à du John Frusciante. Je sais parfaitement pourquoi. Juste que John Frusciante, c'est ma référence et c'est le gars qui m'a fait aimer la musique électronique, etc. Donc c'est un peu les premières références de beats. J'essaie de dire beats parce que. Électronique, on s'en fout. Grosse basse encore, hein, sur cette chanson, encore une grosse basse, une grosse attaque sur la basse, je pense, joue au Mediator et tout. Et donc là, pareil, le reste du mix prend, il diminue, il y a une petite snare, et la voix coupe le mix et sort très bien. Ce qui est assez intéressant, parce que souvent avec les voix graves, c'est dur à mixer, parce que c'est grave en fait, et que par exemple dans la voiture, quand t'écoutes un truc comme ça, ça peut être... masqué par le bruit environnant, de la route, de trucs comme ça. Enfin, c'est important dans les mix que la voix, quand elle est grave, elle puisse bien sortir. Et là, ils le font assez bien. Il y a une petite très courte réverb sur la voix qui est sympa. Et effectivement, encore une fois, le synthé et la guitare qui sont moins forts, en tout cas dans certaines parties, pour laisser la place à ce qui est important, c'est-à-dire que nous, on puisse comprendre les paroles et que ça groove et qu'il y ait des basses. J'ai l'impression que c'est ça le focus de production pour l'instant sur ce truc. Chanson de rupture, assez belle. Puis l'homme pâle disait encore une fois dans cette fameuse interview que la rupture, c'est drôle parce que c'est un deuil qui se fait seul. Et l'autre personne le fait aussi finalement, mais c'est pas forcément possible ou une bonne idée de justement de partager ce deuil-là avec l'autre personne une fois que vous êtes séparés. Ouais, c'est un truc qui... Un des trucs les plus personnels, en fait, dans la vie de quitter quelqu'un. Ce qui m'intéresse, en fait, avec l'instru, c'est que c'est assez minimaliste en soi. C'est-à-dire, si t'enlèves la voix et t'écoutes juste cet instru, c'est pas grandiose. C'est vraiment un truc qui est conçu avec les mots de l'homme pâle, pour aller avec l'homme pâle, pour embellir l'homme pâle, pour faire briller l'homme pâle, quoi. Et donc, le tout ensemble, je kiffe. Mais moi je viens plus du rock, et souvent dans le rock en fait, je pense hein, que malgré le fait que voilà, j'ai appris en école de musique en tout cas, ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs, je pars dans des tangentes, mais que le rock c'était hyper centré sur la voix, et que l'idée musicalement en tout cas du rock c'était de foutre le chanteur vraiment en première ligne, et de le pousser dans le mix, et de faire se concentrer les gens sur le chanteur. Mais c'est pas que j'étais pas d'accord, mais ça m'a surpris de ouf en fait, parce que j'ai jamais vu le truc comme ça. Pour moi le rock c'est aussi la beauté de l'instrumentalisation. Après je suis instrumentiste aussi, donc je suis biaisé. J'ai commencé par la guitare, mais c'est vrai aussi du rap finalement, que c'est un truc de voix. Même, je reviens toujours à l'interview, mais l'homme pâle il sortait en ville avec ses potes, il freestylait jusqu'à 5h du mat. A priori ils avaient pas forcément une enceinte toute la nuit pour avoir un beat, quoi. C'est un truc qui se fait hyper vocalement, le rap. Quand tu t'entraînes, t'as pas forcément une instru,
Quand t'apprends un couplet, tu le fais pas forcément sur le beat, c'est hyper vocal, c'est hyper percussif, rien qu'avec le corps, quoi. Et donc, ouais, l'ensemble des deux, de sa voix et de l'instru, c'est super, mais l'instru en soi, elle me touche pas forcément autant que je sais pas, une autre de mes références, tu t'écoutes du Radiohead en enlevant la voix, ça doit être aussi assez magnifique en fait. Donc voilà, petite pensée sur la nature des instrus dans le rap. T'es l'amour de ma vie, mais c'est pas ma seule vie, je t'aime comme un espion. Tu sais pas encaisser moi, je sais pas mentir, me pose pas de questions. Moins tu dors, moins t'arrives à dormir, jette un alprazolam dans ton infusion. Y'a pas de problème, y'a que des solutions. Cette vie est horriblement belle, profitons avant de finir dans le cahier de light. Tes amis n'avancent pas assez vite, la peur et le doute vont les prendre en tenaille. On se balade puis on se perd dans une forêt de séquoia. Oh, tout est foutu mais le déni a un goût de coya. Hasardé, j'ai rien faire de mieux. Me dis pas que tout est possible, j'ai même pas ce que je veux. Le cœur est calé, la tête est calée. Le cœur est calé, mais remets-en quand même encore un peu. Peu. Trop belle comme une briseuse de cœur, faut beaucoup de courage pour aller lui parler. Mais tu vas quand même lui dire plus de fois le mot love qu'un disque de Marley. Elle savait déjà qui t'étais, pourquoi te jeter sur son pare-brise. Oh, chacun sa vibrille et chacun son prix. Ah ouais, je suis pas content ce soir, pour le même verre de poison j'ai dû payer doublement. Je comprends bien que ça n'a aucun putain de sens de se redire adieu tous les mois. Loin d'être en danger, le danger c'est moi. Le temps m'a bien changé, la richesse moins. Hasardé, j'ai rien faire de mieux. Me dis pas que tout est possible, j'ai même pas ce que je veux. Le cœur est calé, la tête est calée, le cœur est calé, mais remets-en quand même encore un peu. Hasardé, j'ai rien faire de mieux. Plus je sais que tout est possible, moins je sais ce que je veux. Le cœur est calé, la tête est calée, entièrement calé, mais remets-en quand même encore un peu. Outro, 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 il y en a à chaque fois, trop cool. J'ai pas compris ce qu'il disait à un moment quand il a dit la vie est grandiose, machin, profitons-en avant de finir dans le cahier de Light. J'étais en mode quoi? Il a dit quoi là? Light, quoi? Et ouais, c'est Light en fait, c'est Light Yagami, t'as vu. Et si tu réorganises les lettres de Light Yagami... Light, what do you need L? Spell Yagami backwards. Ok, I will. I-M-A-G-A-Y. Haha, Light, you fell for it. Your chance of being Kira is now 50%. Hey, hey, voilà ce qui se passe. Ok. Du coup, en cherchant les paroles, j'ai vu un truc chelou. Ils ont mal traduit ce truc. Ils l'ont mal dit. Je sais pas si... Ouais, ça marche pas. Alprazolam, dérivé du Xanax. J'en ai pris hier soir pour dormir, parce que j'ai mal à dormir. C'est ça qu'il dit, je pense. Jette un alprazolam dans ton infusion, parce qu'il y a un truc chelou sur les paroles, et quand tu cherches ce mot-là, tu trouves rien d'autre sur Internet que ces paroles-là. Bref, moi, je sais ce que c'est, lol. Je crois qu'il y a une petite ref Breaking Bad aussi. Loin d'être en danger, c'est moi le danger. Ça, c'est clairement... Je peux pas faire ça, putain de voix, mais... I'm the danger. Beau, encore une chanson de un peu rupture, mais semi-rupture, on dirait rupture à répétition en fait.
Et bah c'est beau, en fait j'aime beaucoup, je connaissais pas trop l'Homme Pâle et j'aime la façon dont il peint ce qu'il raconte avec des métaphores partout quoi. Elle te connaissait déjà, pourquoi tu t'es jeté sur son pare-brise ouais, carrément, j'aime cette façon de parler des relations avec les gens et puis j'aime cette façon de parler des femmes de façon assez cash et honnête. Je pense qu'il y a beaucoup d'introspection dans ce qu'il fait, que ce soit en bien ou en mal. Et ouais, encore une fois, bah, une chanson que j'ai kiffée. Comme je cherchais un peu les paroles et tout, j'ai pas complètement tout capté. Et encore une outro, mais je me demande s'il y aura une outro sur toutes les chansons. On va voir. Ok, j'adore cette progression d'accords, j'adore ça, ça c'est du hard, c'est du lourd, XXX il a fait ça plusieurs fois, ça te démonte. Ok, un peu de treble là, high pass, et ça va péter. Acheter un fer et je vais faire feu juste pour voir ce que ça fait. Je vais faire feu juste pour voir ce que ça fait. Je vais faire feu juste pour voir ce que ça fait. Je vais faire feu juste pour voir. J'ai tellement vu ce même ciel. Dis-moi pourquoi ce serait un jour spécial. Solitaire et pas grand chose à faire. Autant traîner dans le centre commercial. Ça fait déjà quelques heures. J'ai fait semblant de découvrir les stores. La fille me sourit sur le poster. Et je sens presque plus ma tête store. Je suis pas loin du point de rupture, mais demande-moi ce que tu veux, tu sais bien que je suis un yes man. Faudrait juste que tu penses à me rendre ma smart, ma fierté et mon écran plasma. Hey. Le soleil brille dans le ciel, les putains d'oiseaux chantent jusqu'au soir. Je suis connu pour me faire baiser par tout le monde, et comme tout le monde t'es venu chez moi. Mais tu t'es dit que j'étais plus le même. Quand t'as vu mon arme dans l'armoire, bien ouais Sherlock, je suis plus le même. Je me suis acheté un fer et je vais faire feu juste pour voir ce que ça fait. Je vais faire feu juste pour voir ce que ça fait. Je vais faire feu juste pour voir ce que ça fait. Je vais faire feu juste pour voir. Juste pour voir. Ah ouais, juste pour. Continue de me sourire, tu vas prendre un pruneau. Je sais pas si je vais le faire, c'est ça qui fait tout le charme. Infidèle à ma vie, je veux en baiser une autre. Envie de le regretter trop tard, envie d'avoir raté le coche. Jamais su comment être in, mais tout baiser c'était inné, pas besoin de coach. Dans un ordre comme dans l'autre, tu me fais, je te fais, l'univers s'équilibre. Regarde-moi, je suis venu au monde avec des chaînes dans la tête. Pourvu que je le quitte libre. Pourvu que je le quitte libre. Pourvu que je le. Juste faire feu, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire feu, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire feu, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire feu, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire feu, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire feu, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire feu, juste pour voir ce que ça fait. Juste faire feu, juste pour voir. Mon ami, le vase est plein. Une goutte et je me noie. Oh mon ami, le vase est plein. Une
Waouh. Joli, joli les voix des filles à la fin là. Je sais pas qui c'est, mais c'est beau. Encore une chanson de rupture apparemment, quand tu parles d'écran plasma et tout. Et je retire tout ce que j'ai dit sur les beats d'avant. Enfin non, mais je n'applique pas ce que j'ai dit avant à ce beat là, parce que ça c'est du feu. Ce beat là, tu mets n'importe quel rappeur, tu mets n'importe quelle parole dessus, ça démonte, c'est du lourd, c'est cool. J'aime bien ce qu'il dit sur le fait d'être un yes man. Parce qu'en fait là, je sors justement de quelques semaines où... Bon, c'était consensuel, hein, mais je suis un peu un yes man. Et j'étais déjà au bord de la rupture et je me suis poussé quand même à bosser pour des gens que j'aime et tout. J'ai pas pu tenir à tous mes engagements en fait parce que c'était trop dur quoi. C'était déjà trop dur à la base, donc de bosser un peu comme un forcené en plus, c'était trop. Et c'est un vrai problème quand on sait pas dire non en fait. C'est un énorme problème. Évidemment, tout est une question d'équilibre, faut pas être un connard et envoyer chier tout le monde, mais il faut apprendre à dire non, les enfants, c'est important. J'aime bien ce qui. Encore une fois, beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, infidèle à ma vie, j'ai envie d'en baiser une autre. Est-ce qu'il parle d'une fille ou est-ce qu'il dit qu'il a baisé sa vie et qu'il veut recommencer et encore gâcher sa vie? Qui sait, mais c'est cool. Et c'est sans doute les deux. Tu me fais, je te fais. C'est quelque part assez. Je sais pas, c'est assez malsain parce que ça me rappelle un jeu d'enfant un peu, mais dans le sens sexuel. Nice. Nice. Et ouais, encore une outro. Je pense que peut-être il y en aura partout. Il a l'air amoureux de ses outros. Donc c'est cool. Et puis les premiers chœurs que j'ai remarqué en tout cas de l'album. Et c'est plutôt un bon album. C'est plutôt un bon album, j'ai envie de dire. Pour l'instant, ça me plaît. Donc ce serait intéressant pour moi d'écouter les autres et de comparer, mais c'est souvent. Je sais pas si c'est un sortilège, une malédiction de l'artiste, mais souvent le début, genre les deux premiers albums, c'est un truc de ouf. Alors que c'est pas les débuts pourtant. Quand tu fais ton premier album, c'est jamais tes débuts en tant que musicien. Normalement, t'as fait, je sais pas, si t'es rappeur, t'as fait des singles, des mixtapes, des trucs comme ça. T'as peut-être fait des EP, t'as fait des projets avec d'autres groupes si t'es dans le rock et tout, ou en tout cas t'as fait des années de cours, de scène, enfin tu drops pas un album comme ça la semaine où tu t'achètes ta guitare, ça n'arrive pas. D'ailleurs ce serait cool que ça arrive, ça fait un truc assez cool qui s'appelle l'outsider art, moi j'aime bien, mais c'est un concept complètement différent. Donc pourtant, malgré le fait que ce soit jamais les débuts des gens quand ils percent et tout, c'est souvent là qu'ils font leur meilleur art en fait. Enfin, en tout cas, moi je trouve. J'adore les premiers albums de groupes comme Muse, comme Coldplay. Et ça, c'est la parfaite transition. En plus, je l'avais pas marqué, donc coup de chat. Ça me rappelle son refrain là, juste pour voir ce que ça fait. Ça me rappelle Slowly Breaking Through the Daylight, la chanson Daylight de Coldplay, du même album que The Scientist. C'est la même rythmique en fait dans la vocal delivery, t'as vu. Donc voilà, c'est beau, cette chanson c'est beau, c'est un single, puis si ça l'est pas, ça devrait l'être. Je force sur mon corps et je dis. J'force sur ma clope, mais mes cœurs et j'tire. Trop de questions, je m'auto-interview, peu de réponses. On s'en reparle au prochain rendez-vous. Attends un peu avant de rentrer les chaises. Je voudrais un verre, pas un nouvel échec. Allez tranquille, 15 minutes, ta bouteille et moi, on va se sentir plus léger. Ah ouais. La route, je l'ai déjà faite. Et souvent, c'est parce que je me fais virer de la fête. C'est pas de ma faute, j'ai les filtres en panne. De toute façon, j'aime pas les bouffons et j'aime pas le champagne. Envie d'un choc, merde, je suis obsédé. Si je pouvais, je ferais en sorte que toute la ville s'éteigne. Dans le noir, ils pourront pas se voir. Et pour moi, ça changera rien vu que je suis invisible. Ah ouais. Ah ouais.
nuit, je rentre seul éclairé par le ciel. Encore une fin de film facile à deviner. Mais je plains ceux qui ne connaissent que le miel. Le miel, ça n'est pas vraiment le miel sans le vinaigre. Minuit, je rentre seul éclairé par le ciel. Encore une fin de film facile à deviner. Mais je plains ceux qui ne connaissent que le miel. Le miel, ça n'est pas vraiment le miel sans le vinaigre. Ok, auto-interview, qui l'a fait et qui ne l'a pas fait? Je ne sais pas, peut-être que je suis totalement arrogant, égocentré, centré sur moi-même, mais ça m'arrive de m'interviewer genre dans la douche depuis très très longtemps. Et j'aime bien voir quelqu'un d'autre en parler parce que j'en ai pas souvent parlé, parce que t'as l'air d'un fou en fait. J'aime ces métaphores, bordel, j'aime ces métaphores. Métaphore constante de, on va se sentir plus léger, la bouteille et moi on va se sentir plus léger, j'aime bien ça, j'aime bien cette progression d'accord, j'aime bien la courteur. Aiko, you can cut here, I'm looking for a word. Je trouve pas le mot, la brièveté, l'efficacité de cette chanson. J'aime le fait que la progression d'accords là, quand l'instru devient réellement instrumental, qu'il n'y a plus de paroles vers le milieu de la chanson, j'adore ça. C'est très Red Hot, c'est très viscéral, très triste. Et du coup, ça marche hyper bien avec ce qu'il dit sur la vie finalement, que les bons temps de la vie ne seraient jamais ce qu'ils sont, waouh, faut que je mange un truc, ça me donne faim tout ça, sans l'horreur quoi, l'horreur de la vie. J'aime le son de la basse, il y a une modulation, une sorte de, je sais pas si c'est une pédale ou s'ils font ça avec un synthé sur la basse, et c'est beau, pareil, jamais trop entendu ça dans le rap, et j'aime la cohérence du coup, qu'il y a sur le son de la basse et de la batterie sur cet album. C'est vraiment, de toute façon c'est un truc général dans le hip-hop, dans le rap et tout, mais des fois non en fait, des fois c'est plus un gros sub maintenant, ou des fois c'est juste les hats qui conduisent le truc, mais là c'est vraiment ouais, hein. je sais pas, j'ai pas fait gaffe si c'est vraiment de batterie acoustique ou pas, mais en tout cas un son qui ressemble à une batterie acoustique ou à la façon de jouer d'un vrai batteur, et une basse qui est clairement réelle et vraiment jouée avec un médiateur, avec une grosse attaque et bien, bien lourde dans le mix. J'aime cette cohérence. Je reviens. Yourte au miel. Je sais pas d'ailleurs s'il y a un truc avec le miel, le vinaigre. Je suis pas assez bon en gastronomie, on va dire, en cuisine, pour savoir s'il y a un truc dans l'interaction de ça, ou je sais pas, la fermentation. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas si ça fait partie d'une recette ou un truc comme ça. Parce que du coup, lui, il utilise comme une métaphore dans la chanson, justement, pour les bons et les mauvais côtés de la vie. Mais ce serait encore plus ouf s'il y avait un réel concept culinaire derrière tout ça. Oh, une guitare! Désaccordé en plus. Le sens de la vie part en fade out. Aucune bonne raison, mais je veille tard. J'anticipe déjà le réveil d'après. J'aimerais bien pleurer, mais y'a rien qui s'y prête. Et s'ils sont vraiment pour le partage, alors qu'ils viennent me prendre une part de vide, de son plaisir dans l'appartement. Le seul hic, c'est que j'en ai un petit peu marre de vivre. Ma douce, ma belle parle de moi, et je suis bien le seul que ça n'intéresse pas.
mets tout sur pause, appuie sur la barre espace. Si je suis un fantôme dans le noir. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Oh maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute, perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Bien sûr que je me sens M-A-U-D-I-T. Le vide fait du forcing pour me déiter. Demander de l'aide, j'aurais jamais idée. Pas du genre à crier trois fois mayday. Nope, plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit jusqu'à ce qu'il ait un goût de Goya. J'ai mis ma veste pour sortir boire un verre, mais je suis encore assis et tout à fermé. Bon comédien, je fais semblant de l'aimer. Ça deviendra vrai 3 jours et demi dans l'année. Mais ce 1% de plaisir est tellement raffiné. Je sais bien que le miel n'existe que grâce au vinet. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Maladie moderne, je soupire jusqu'à mon dernier. C'est l'enfer, la machine marche à l'envers. Et la nuit porte le doute, perdu, je sais plus si je suis bloqué dans ma chambre ou bloqué dans ma tête. Vu que rien ne change, je me dis que j'ai pas de chance, comme la plupart des gens, mais je le mérite peut-être. Oh, 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 oh. Je le mérite peut-être. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, putain. Waouh, petite balade. C'est beau parce que justement les accords dont je parlais tout à l'heure, très simple, hyper simple, tellement Red Hot, il l'utilise encore là, et il fait référence encore au miel et au vinaigre. Mêmes accords que la chanson d'avant en fait, ou quasiment. Je comprends pas ce truc de goyave. Quelqu'un m'explique dans les commentaires, s'il vous plaît. Peut-être que je suis pas assez expérimenté, mais je sais pas. Genre, c'est... Expliquez-moi, à l'aide. Avant que la batterie arrive, il y a un accord inversé, qui est une technique de production hyper classique. Je sais pas qui l'a faite en premier. Ça pourrait être genre Phil Collins ou un truc comme ça. Après, lui, il a déjà fait le son de snare horrible, là, des années 80, que je peux pas saquer. Je sais pas, mais ça doit être un... Ouais, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires qui a fait en premier cette technique de production où tu prends un accord, tu le laisses sonner et après tu le renverses. J'ai fait ça moi sur ma chanson Untitled One. Et il y a ça sur, par exemple, 21 Guns de Green Day, avant le refrain, des trucs comme ça. Et je crois qu'ils ont fait ça là avec la guitare acoustique. Je suis pas sûr. Hein. C'était un truc qui sonnait un peu comme ça, mais j'ai trouvé ça hyper cool parce que ça... C'était une super introduction pour la petite snare, justement. Je pense que c'est Lumpal qui fait de la guitare sur cette chanson. Je pense ça parce que la guitare, elle est désaccordée. Et puis parce que ça sonne pas hyper pro et qu'il disait à France Inter, justement, qu'il a commencé à jouer et qu'il est nul, quoi. Et c'est touchant. C'est hyper... Il y a un truc qui te prend aux tripes dans ce genre de jeu, en fait. Ça fait un peu... Bah c'est juste vrai, quoi. C'est un peu du Kurt Cobain.
avec du vague à l'âme et puis encore beaucoup d'appels à la mort et de réflexions sur la vie, la nature de la vie, quoi. Donc ouais, non, c'est beau. Cette chanson, elle est juste belle. J'ai rien à en dire. C'est un beau morceau en tant que tel. Fil coupé pendu sous le combiné. Rome, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade. Faut être un sacré con pour me dire relax. Dites à mon destin de mordre le tir. Oh, je vais lui refaire la gueule au fer 7. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. En fait, mon départ, pas mon anniversaire. Le ciel est triste, que du gris dans la ville. Envie de prendre un acide et tout colorier. Qu'est-ce qu'on s'emmerde, ah ouais, c'est plus comme avant. La ville lumière se repose sur ses lauriers. Discret casquette, baissée sur la cabeça. Le ciel devient bleu, mais je peux regarder que mes sapes. Prends plus d'appels, je lis plus aucun message. Être has-been, ça rend naïf. Bah ouais, je pouvais qu'aimer ça. Personne ne le comprendra, personne. Je suis le mauvais ordre en personne. Je me sens moi-même comme personne. Fallait que je tombe sur cette ville. Il y a un peu d'Orelsan là-dedans. Fallait que je tombe sur cette vie. Et je sais qu'on est fait pour s'aimer. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Y'a jamais assez de miel sur le MCMN. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. Faut que je profite, c'est le dernier samedi de la semaine. J'adore cette progression d'accord, très Led Zepp. Babe, I'm gonna leave you or something. Pas exactement, mais un truc du style. Sagesse en sourdine, contrôle de soi 1 sur 10. Retiens le monstre à l'intérieur, repousse la date de sortie. Je ressemble tellement à ce monde, j'ai les névroses assorties. Envie de planter quelques tomates et de faire du son sans ordi. Fil coupé, pendu sous le combiné. Rome, clope, rancune, j'ai tout combiné. Le sang qui bout comme une marmelade. Faut être un sacré con pour me dire relax. Dites à mon destin de mordre le tir. Oh, je vais lui refaire la gueule au verset. Rien n'est dans le bon ordre, faut tout inverser. On fête son départ, pas son anniversaire. Oh là là, basse, 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 monsieur, oui, oh là là, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau quand les musiciens y brillent un petit peu aussi. Je vais lui refaire la gueule au fer 7. Donc, il parle de son fer, dont il parlait déjà dans la première chanson qu'il balance, où il disait qu'il avait acheté un flingue, machin bidule. Et j'en sais rien, en fait. C'est quoi un fer 7? C'est un club de golf ou c'est un flingue? Parce que du coup, j'ai cru, quand il a dit fer tout à l'heure, je connais rien au vocabulaire. Bon, bref, j'en sais rien, mais à France Inter, toujours France Inter, les gars. J'ai cru que peut-être il disait au vers 7. Oh, il y a des moineaux. Je regardais le petit moineau. What the fuck. Parce que il disait rien n'est dans le bon sens, faut tout inverser. Du coup, je me disais que ce serait carrément cool s'il avait foutu ça sur le vers 7 de la chanson. Et qu'après, il faisait une petite joke en mode ah non, c'était pas vraiment le vers 7. Enfin bref, on s'en fout. Mais j'aime le fait que ce soit loupé. Pas loupé, raté, loupé, bouclé.
les petits hey hey, on entend que c'est le même sample vocal en fait qui est utilisé encore. Ctrl-C, Ctrl-V, t'as vu? C'est pas lui qui refait hey hey à chaque fois. Cette chanson est vraiment bien. Cette chanson est vraiment putain de bien. J'avais pas compris en fait la métaphore du golf justement du tout. Dites à mon destin de mordre le tee, j'avais pas compris que c'était le tee du golf. Je sais pas, je croyais que c'était une chanson sur un t-shirt ou un truc comme ça. Je pars en sucette, mais il faut une version sur Spotify où ça part en sucette à la fin. Justement, il faut une version où ça part bien en couille et il démonte comme en live. Ou alors il faut une version live sur Spotify parce que là ça va pas. Désolé, j'ai capté que c'était le single et tout, mais j'en veux plus en fait. J'ai pas envie d'une chanson de 3 minutes 23 qui se finisse comme ça avec un putain de truc de basse. Et où le premier refrain, il envoie plus du lourd que le dernier. Pour moi, ça n'a pas de sens. J'aime la chanson, hein, c'est cool. Et dans le contexte de l'album, ça, je capte et je comprends totalement le choix de l'envoyer plus, de la faire plus envoyer, bah, justement en live ou en truc spécial pour France Inter, machin. Mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que du coup, comme moi d'abord, j'ai entendu la version qui déchire sa mère, là, elle me manque en fait. Et je sais ce qu'il y a dans ce refrain, quoi. Je connais le potentiel qu'il y a, et puis c'est même... C'est tellement hargneux, c'est tellement magnifique, enfin ça, il faut le chanter 40 fois, quoi. Fil coupé, pendu sous le combiné, rhum, clope, rancune, j'ai tout combiné. Mais chante le plus, mon pote, enfin, chante-le davantage, parce que c'est parfait, quoi. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un truc qui viendra sur Spotify ou je sais pas quoi, et puis sinon j'irai sur YouTube pour le chercher, hein. Je regarderai une version live, mais cette chanson déchire, et j'en veux plus en fait. Ce qui d'ailleurs me rappelle mon pote Donan Robinson, qui m'a à moitié fait découvrir l'homme pâle, et on a fait une de ses chansons en live, je mettrai un lien dans la description, et pareil ça fait 4-5 ans. Ça fait un moment, mais lui, il a une chanson, justement, où il parle de la vie, machin, bidule, de des filles, de la nuit, de l'alcool, et après, il dit « And I want more », et ça, c'est moi avec cette chanson-là. Hendrix, take whatever you want from me, Lil Wing. Il pique à Cash, il pique à Hendrix, c'est cool. D'ailleurs, ça pourrait être la coïncidence la plus totale. Je suis bête et moche, mais pour un peu d'amour, je me métamorphose. Figé, je viens d'enlever ma veste, c'est la fête et je regarde faire les gens normaux dans la fosse. Je les regarde sans toucher à ma pigna, on dirait que j'attends un signal pour faire une faute. Un ange fait trois pas vers moi, elle me dit dans l'oreille qu'elle préfère les mélodies fausses. Tombé sur une fille qui collectionne les mecs bizarres et mystérieux. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver de mieux? Depuis tout petit, c'est ma routine. Jamais comprendre leurs sous-titres. Qu'est-ce qui lui plaît dans ma boutique? Déjà 20 minutes que je la laisse parler, silencieux. Fais de moi ce que tu veux, je lui dis dans le langage des yeux. Prends ce que tu veux chez moi. 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 Comme si j'avais quelque chose. J'fais que suivre les signes. En vrai, j'suis pas vraiment fou. Nope, mais j'en parle qu'au psy. On se découvre lentement. Je suis pas un dominant, mais si jamais elle me le demandait, je pourrais faire comme si. Plaisir hostile, la fête est nulle, on se tire. Je viens d'apprendre que je suis drôle et costaud. Mon cœur fait du roller coaster, posé vers Bastille. Je dois calmer les nerfs de ce type. Je veux bien le laisser frapper ma gueule, mais pitié qu'il y mette du style. Je me suis trompé quand j'ai pris la vie. Le bon côté, c'était l'autre. Je vide la bouteille au goulot. Paraît que la confiance, c'est de l'eau. Début de soirée, je suis venu au monde. Je serais reparti avant l'aube. Vivons à fond avant l'aube. Prends ce que tu veux chez moi. Prends ce que tu veux chez moi. Prends ce que tu veux chez moi.
déjà chanceux de voir le début et le milieu. Tant pis si je rate encore la fin du show. Je lui ai proposé avant qu'elle traverse, si elle savait le courage qu'il m'a fallu pour que j'ose. Seul dans une nuit de janvier congelée, je tourne en rond dehors comme si je cherchais quelque chose. Intonation de Stromae un peu. Puis je sois enfin, joins-moi chez moi. Mon sang tourne trois fois, j'ai presque chaud. Ah là c'est marrant, c'est quasiment maladif ces outros en fait, parce que là pour le coup celle-là en fade out elle apporte absolument rien. Ça aurait été intéressant de finir sur j'ai presque chaud. Et en fait, wow, ok, je sais que c'est l'heure. En fait du coup il recommence juste un pattern sans le terminer, c'est un petit peu spécial. Pas mon idée favorite de l'album, mais c'est intéressant, je viens de me souvenir en fait, j'allais dire, dis donc c'est une victime le Antoine, mais c'est pas ça, il chante la victime en fait. Il a dit justement dans encore la fameuse interview France Inter, que cet album était moins personnel, qui l'amenait évidemment sa personnalité dans l'album, parce que comment faire autrement en tant qu'artiste, mais qui chantait moins sur sa vie, littéralement quoi. Du coup, je sais pas si c'est de l'histoire vraie ce qu'il raconte là-dedans, mais il y a un genre de victimisation constante sur cet album, de d'avoir complètement aucune emprise face aux femmes, enfin amoureusement, ou même face à lui-même, face à la douleur, à l'addiction, ce genre de choses. Et du coup, mais c'est intéressant parce qu'il le fait avec... Enfin, encore une fois, hein, c'est peut-être complètement fictionnel, mais il le fait avec une grande... une sorte de grand calme, une humilité. Enfin, il a l'air de s'accepter, en tout cas, d'accepter cette situation. Sans pour autant ne pas se battre, mais juste, je veux dire, il s'assume, quoi. Donc, voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Qui arrive à être lui-même que tout seul et qui est à la fois G, tu vois, à la fois fier et tout, mais en même temps qui est très seul. Il réfléchit et tout le temps il se pose des questions et il essaie d'aller dans le contact avec les autres, mais il sent que chez lui c'est pas naturel, tu vois. Tu me trouves étrange et le piège se referme. Genre, plus tu me trouves bizarre, plus je vais commencer à être bizarre. À me renfermer. Et je vais commencer à être exactement ce que tu vois de moi parce que ça me fait paniquer, tu vois, en gros. Il y a une seule meuf qui revient et on ne sait pas si c'est son ex ou si c'est son idéal ou si c'est son amour d'enfance. C'est pas dans le Truman Show justement où il découpe un œil, un nez et il se fait sa femme parfaite, yeah, oui. Avec des magazines. Je me souviens pas. Il y a moyen que c'est dans ce film-là. C'est un peu ce mec qui est à côté, qui sait pas en fait, qui est pas dans le vrai monde, tu vois. Il est dans un monde parallèle quoi et il comprend pas trop comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça, tu vois. Il rencontre une meuf qui aime les mecs bizarres et du coup il la suit et il est en mode mais prends ce que tu veux chez moi, en mode genre fais, j'ai tellement, genre ça m'arrive jamais de tomber sur une meuf qui va justement kiffer les mecs bizarres comme moi, tu vois. Ouais, je vois. Et là il parle de la chanson d'avant finalement, la chanson où il a rencontré une meuf qui aime les mecs bizarres et apparemment finalement il se passe rien et machin. Et justement ce que je voulais dire par rapport à cette chanson là et que j'ai oublié de dire, c'est que ce mec qui est à part et qui regarde les gens normaux dans la fosse, ça a été moi en avril. Je suis allé à un concert de Orla Gartland pour la deuxième fois. J'adore Orla Gartland, elle est super. C'est une chanteuse pop-rock irlandaise qui a une voix de dingue et qui envoie, quoi. Et j'étais hyper anxieux, en fait. J'avais une sorte
d'anxiété de la mort qui me paralysait, qui me changeait complètement mon regard sur les autres et moi-même et le monde et absolument tout en fait. Et donc j'étais en train d'avoir cette sorte de crise d'anxiété là, pas en crise en mode mais juste dans ma tête complètement intérieurement, j'avais l'air normal, mais au concert j'étais en mode ah, tout le monde va crever, Orla Gartland elle va crever, moi je vais crever, tous les gens qui sont là ils vont crever, et je voyais les gens qui s'amusaient en fait comme ils devraient, et je savais que eux ils avaient totalement raison, j'en ai déjà parlé sur la chaîne mais en anglais, et c'était très dur de voir que moi je suis là et je kiffe pas parce que je me pose beaucoup trop de questions, et les autres leur amusement, enfin leur façon de s'amuser peut sembler naïve, peut sembler déplacée quand toi t'es en train de te poser ce genre de questions un peu grandiloquentes, mais quoi qu'il en soit, que eux ils aient intégré le concept de la mort ou pas, ils ont totalement raison de kiffer leur vie quoi. Et c'est là que ça devrait amener n'importe qui pense à ce genre de concept. Juste kiffer, quoi. La réflexion sur la mort, ça devrait être un outil pour kiffer plus la vie. Et donc j'ai l'impression que ce skit-là, c'est lui avec un pote qui parle du concept, soit de la chanson d'avant, soit du concept d'un mec en général sur l'album, et d'idées pour des chansons et tout. Je sais pas combien de chansons il reste. On va voir. Je dois faire une pause avant de finir, mais en tout cas, encore une fois aussi, la façon dont il parlait des femmes, ou de la femme, ou de l'idée sur ce skit, c'est la muse finalement, quoi. C'est vraiment qu'est-ce qui motive l'homme, et je dis l'homme dans le sens l'humain, quoi. À faire de l'art, parfois, bah, souvent c'est simplement l'amour, quoi. Et ouais, je me suis reconnu là-dedans, parce que c'est très vrai que c'est pas forcément quelqu'un de complètement spécifique. Ça devient parfois plusieurs personnes qui se fondent les unes aux autres, ou juste une idée, ou un concept, ou un truc hyper dans le moment, en fait. Même en regardant, je sais pas, le ciel, la nature et tout, des fois tu chopes ce sentiment... qui est un peu adjacent au sentiment que tu peux avoir quand tu tombes amoureux de quelqu'un ou un truc comme ça, quoi. C'est juste ce sentiment d'exaltation face à la vie qui souvent ressort quand t'es amoureux, quoi. Ok, après une courte pause de 6 heures, je suis prêt à reprendre. On a le dernier tiers qui nous reste, voyons ce que ça nous réserve. Avec une prostituée, c'est ma pote. On se voit soit pour les blagues, soit pour les conseils. C'est comme ça qu'on s'aime. Mais ce matin, c'est différent. Elle me demande si je veux bien jeter les cristaux qu'elle a cachés dans une boîte de conserve. Elle dit qu'elle a peur de plus contrôler son addiction. J'ose pas lui dire que c'est justement ça le concept. Antipathique quand elle en prend pas, je dirais que c'est l'inverse. Mais bon, comme j'en prends pas, je comprends pas. C'est le plaisir de la confiance, et ça s'oublie pas comme le vélo ou comme une bonne mélodie. Vas-y, réouvre le cello. Non, pas une seule redescente de plus, c'est mort. Elle en peut plus, elle en veut plus. Sauf que dire pour la vie c'est trop dur, ça rend les nerfs chauds. Alors elle se retient 24 heures, le temps de se redire la même chose. Rien à défaire,
Ouh, là, qu'est-ce qui va nous sortir, là? Qu'est-ce que ça va être que ce truc? Waouh, pas d'outro les gars, pas vraiment, pas vraiment. Juste une dernière note finale sur un accord de 6. Ok, c'est dreamy, c'est très dreamy, cette chanson elle m'emporte ailleurs. C'est la chanson la plus histoire de l'album à mes yeux. C'est la chanson qui est sans doute la moins proche de la vie de l'homme pâle en tout cas. Je crois pas que ce soit arrivé, je suis pas sûr qu'il prenne des frosties avec une prostituée. Peut-être, hein, s'il fait ça c'est cool, mais... C'est un départ clair, et puis moi quand j'ai vu le nom Crystal, je savais pas si ça allait être Crystal, une nana qui s'appelle Crystal, ou bah, la meth, ou je sais pas, le bleu de l'eau. C'est assez bizarre, je suis dans la chambre de mon frère, et il a une grande carte du monde, enfin il en a même deux, juste en face de moi, et du coup quand il disait, je sais pas, quand l'homme pâle disait le monde tourne ou je sais pas quoi, j'étais en train de regarder, genre... l'Afrique, tout ça, et c'est trippant, je suis en train de tripper en fait. Le son de batterie est super sur cet album, il est très claustro, il est très 70s, j'aime bien parce que c'est propre, ça sonne comme s'il y avait un petit truc pour atténuer le son, genre une petite couverture sur la snare, un truc comme ça, un truc maîtrisé quoi, je kiffe ça, il n'y a pas un écho dégueulasse, il n'y a pas un overtone sale, qui est pas dans la bonne gamme, c'est propre. Et encore une fois, c'est consistant. Même la basse ici est aussi consistante, quoi. Elle est pas aussi poussée que sur certains autres morceaux, mais c'est encore une fois le même groove ghost note de la snare et basse au médiator et tout, et c'est grave cool. La voix d'Antoine, elle est longue, et elle est anglaise, elle est très anglaise. Au début, je croyais qu'il était en train de chanter en anglais, j'étais en mode « What ?» Une attitude assez différente, même dans ce qu'il fait à la fin aussi sur ses notes la plus aiguë, qui me rappelle un autre mec qui parle anglais, c'est Phineas, c'est-à-dire le entre autres, hein, parce qu'il fait plein d'autres trucs, mais il se trouve que génétiquement, il occupe le rôle de frère de Billie Eilish, et il a une chanson sur Trump et tout ça, où il monte dans les aigus à la fin, mais même en poussant encore plus, c'est peut-être un peu plus haut et tout, mais c'est un peu le même esprit... Et je kiffe ce qu'il fait l'homme pâle avec sa voix à la fin. J'ai pas l'impression d'avoir entendu beaucoup faire ça avant. Donc je sais pas si dans ces deux ans de pause là un peu, je sais pas si c'est juste posé ou si justement il a appris à mieux chanter aussi. Mais en tout cas, j'aime bien. Très chelou, le petit moment guitare, très étrange. L'impression qu'il y a une pédale de wah dessus, ou wah-wah, vous dites ce que vous voulez, hein, pareil les guitaristes, je m'en fous. Et je sais pas, il y a autre chose, enfin il y a de la wah plus un EQ chelou, ou alors il y a deux wah, ou alors c'est juste une wah bizarre, c'est pas une auto wah, c'est une wah manuelle je pense, mais c'est juste jamais trop entendu ce son avec une wah quoi. Et la fin est bizarre, c'est pas souvent qu'on entend des trucs comme ça en fait, que ça fade out et qu'après ça fade back in, c'est de voir un truc des Beatles qui fait ça, je sais pas si c'est Helter Skelter. En tout cas, il y a Rain When I Die de Alice in Chains qui fait ça. Et je trouve que c'est un bon effet, je trouve que c'est sympa. Mais faut pas en abuser quoi. Et c'est bizarre parce que du coup, quand il a dit maintenant je lâche ou je sais pas quoi, et qu'après ça a fade out, je me suis dit ok, bah là il va vraiment y avoir un changement parce qu'il reste une minute, mais il y a un fade out. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un choix
intéressant, peut-être un bout de morceau pour l'outro qui sera complètement différent, style bah, justement Bad Guy de la Billie Eilish. Mais non, ils reviennent en fade-in sur ce qu'ils ont joué avant et je suis un peu déçu. Je suis un petit peu déçu, mais d'un côté, c'est aussi... Bon, encore une fois, cet album est plein d'images, quoi. C'est une image de la rechute aussi, quoi. Maintenant, je lâche, et en fait, il ramène exactement le même riff qu'avant, quoi. Donc voilà, tu retombes dans ta messe. Dans ta messe. C'est dur, hein. C'est dur de parler en franglais. Et voilà. Et c'est un peu... Ouais, c'est vrai que c'est un peu comme ça, la rechute, en fait. C'est très chill. C'est très... Tu dis que tu lâches, et après, tu retombes dedans, et c'est... C'est exactement le même putain de riff qu'avant, quoi. Ouais, j'aime le feu, ça se voit, j'ai les silos pleins. Je voulais juste m'amuser comme si... Ah, encore de la guitare chelou. Ah, c'est Cindy Lauper. Mon corps fait beaucoup de caprices, mais moi je cède à tout comme si c'était mon fils. Ouais, ouais, je connais du monde comme une fille de... Mais vu que j'aime personne, je filtre comme le vide. Trop joué près du feu, maintenant j'ai les silobes. Je voulais juste m'amuser comme Cindy Lauper. Ne viens pas me voir, je répands une vibe noire dans un appart feng shui. Ce nouveau monde est trop dangereux pour l'humain imparfait que je suis. Donc lève ton verre, on fête la leader involontaire. Lorenzo, et toi qui va parler à ta place sur le long terme. T'avais pas lu toutes les clauses, t'aurais dû faire un close-up. Maintenant tu suces avec du gloss sur la couverture de Closer. Tout va vite quand ta vie devient leur vision. Ma cousin vit que pour toi même avant l'addition. This is the way. Rap. L'époque où tu faisais rire en montrant le torse, c'est moins drôle maintenant que tes ins comme le père de Norse. Aïe, tu retiens jamais tes coups, heureusement que t'as pas de force. Avant de frapper, tu clines des yeux, on dirait que tu préviens en morse. Sur le plaisir, faut investir. Y'a trop peu de temps restant, ils aiment le vélo comme à Austin. Moi c'est le tir au stand, si j'ai un flingue c'est pour le style. Mais tous les civils ont peur, je voulais juste m'amuser comme... Ouais j'aime le feu, ça se voit, j'ai les silobes. Je voulais juste m'amuser comme Cindy Lauper. Comme tout le monde, mon corps fait beaucoup de caprices. Mais moi je cède à tout comme si c'était mon fils. Ouais, ouais, je connais du monde comme une fille de... Mais vu que j'aime personne, je filtre comme le vide. Trop joué près du feu, maintenant j'ai les silobes. Je voulais juste m'amuser comme Cindy Lauper. Le mal est partout, comment faire attention? J'aurais jamais assez vécu pour savoir reconnaître une bonne intention. Capuche, casquette dans la rue, la fille en face croit que je la suis. Un danger pour elle, c'est ce que je suis. Comment lui dire que si j'enlève ma capuche, c'est elle qui me suit? Une star maudite, c'est ce que je suis. Si t'es trop maladroite pour toi, le silence est de l'or. T'as raté cette vie, mais sur la prochaine, dans l'au-delà. Il paraît que t'as merdé, ils vont te bannir de tout. J'ai entendu des rumeurs sur toi, mais moi ça m'a mis le doute. Car tout va vite quand ta vie devient leur vision. Ma cousine vit que pour toi même avant l'addition. This is the way. Mais non, mets-nous un peu de valeur là dans l'outro. Ouais, pas mal, ok. Marrant. Ah, ok, ouais, ça va, classique, classique. Ouais, j'aime bien.
j'aime bien, en fait j'aime bien cet album, et puis je pense que j'aime bien ce mec. Et puis ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est une façon un peu fun de finir. En fait ce morceau est fun, cet album est fun, je trouve le rap c'est fun, c'est hyper stimulant pour moi de... Je sais pas, ça fait fonctionner mes petites méninges en fait, d'essayer de... Même sans essayer en fait, de juste l'écouter parler, et l'écouter kicker, et de laisser les images se former dans ma tête, c'est hyper cool. Et j'aime bien capter les refs, j'aime bien ne pas capter les refs, là la ref c'est Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. À un moment j'ai gueulé fuzz rap parce que l'effet là qu'il y a sur la guitare ça s'appelle du fuzz. Et c'est pas souvent en fait, c'est pas si souvent que ça que j'entends ça dans du rap. Et c'est cool, je kiffe, je suis en train d'essayer de penser à un exemple. J'ai un truc de Kanye mais je sais plus comment ça s'appelle. Gorgeous de Kanye West. Un peu de fuzz dessus et puis sans doute d'autres chansons du même album. Bon album d'ailleurs. Ouais, c'est marrant, c'est fun et cette harmonie c'est un des trucs les plus bad que tu puisses faire. C'est vraiment... c'est pareil que le morceau d'avant où j'ai dit que ça me faisait penser à du XXX. Parce que c'est Look at Me, je crois. C'est la même idée, c'est tu pars sur l'accord mineur principal d'une tonalité quoi. Genre par exemple si t'es en mi mineur, tu fais un mi mineur et après tu joues... l'accord majeur, d'ailleurs ce serait marrant de jouer l'accord mineur d'ailleurs aussi qui est un demi-ton au-dessus, mais tu joues l'accord majeur qui est un demi-ton au-dessus et ça clash sévère, genre tu joues un fa majeur en mi mineur, oula, et c'est hyper beau, c'est un truc que j'adore, que j'ai piqué je pense à Jimi Hendrix et que Jimi Hendrix a piqué à tout le monde, peut-être à, je sais pas, à Beethoven ou je sais pas quoi, mais c'est c'est la blue note de la blue note, c'est le phrygien du phrygien, c'est le... J'ai reçu ton joli mot, y mettre autant d'insultes, c'est de l'art. Je suis flatté, je savais pas que je pouvais autant t'inspirer. Oh, tellement fier, je l'ai même encadré comme un premier dollar. La guerre c'est bien, mais je suis trop curieux, je veux savoir ce qui se trouve au-delà. Ah, c'est tellement naïf. Ça c'est beau de naïveté. Pas juste dans les paroles, pas juste dans l'idée de vouloir faire la paix et tout, mais c'est beau de naïveté dans la façon dont il délivre cette voix quoi. C'est très enfantin, mais encore une fois, je pense qu'il sait ce qu'il fait et c'est totalement assumé. Mais c'est juste lui, quoi. C'est juste sa voix, sa façon de chanter sur ce mémo spécifique-là. C'est childlike et je kiffe. Prisonnier chez moi, les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle, et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir, et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang, jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un Italien avec les mains, et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau, je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau, et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère, je suis pas désolé, il est mort le soleil. Mon Dieu qu'elle me manque, tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt, et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, qu'elle manque, tout s'éteint des crescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Oh, je veux qu'il le ressente. Je recherche le bruit comme une drogue, dans le silence ma mémoire joue les pires mélodies.
J'essaye d'éjecter le disque, oh. Mais ça repart et mes molaires font des étincelles. Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie. Ah ouais, quelle ironie. Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait. Plus je m'interviewe, moins je sais qui je suis. Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande. Je ne saurais que faire du reste du monde. Je l'ai désiré perdument. Et maintenant je me sens tellement perdu, mon Dieu, qu'elle me manque. Tout c'est un décrescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt, et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, qu'elle manque. Tout c'est un décrescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon Dieu, qu'elle me manque. Tout c'est un décrescendo. Oh, ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, qu'elle manque. Tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est beau, ces petites notes aiguës à la fin, là. Ah, pinaise de pinaise de pinaise. J'ai pas pris de notes. Hein. J'ai pas pris de notes. C'est le genre de chanson qui donne envie de faire une cover direct. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de covers de rap. Hein. J'ai vu une vidéo là-dessus. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que le rap, c'est personnel. Le rap, souvent, c'est ta vraie histoire. Et puis, tu fous ce que tu veux dedans. Hein. T'exagères, tu caches les parties les plus sales. Enfin, je sais pas, tu fais ce que tu veux, mais c'est un vrai truc qui vient du cœur et qui vient des tripes et tout ça. Et c'est peut-être moins impersonnel que, justement, je sais pas, du Radiohead. Un mec qui dit « Ah, il y a des poissons chelous !» Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est... Le rap, c'est ça, quoi. C'est vraiment... c'est moi et c'est mon histoire. Je le raconte comme ça. Du coup, si tu fais une reprise, c'est un peu genre... C'est pas que c'est pas cool, moi je me sens pas inconfortable quand je regarde une cover de rap. Mais des fois ça peut faire décaler. Ça peut faire en mode mais t'es qui toi? Et je sais pas si c'est très judicieux de se prendre la tête pour ce genre de truc. Moi je m'en bats la race. Faites ce que vous voulez. Mais une chanson comme ça, c'est un truc hyper personnel en tant que tel. Et moi, comme j'ai le contexte, c'est peut-être la 10e fois que je le dis, de cette interview à France Inter, là, je sais qu'il y a moins de choses justement personnelles sur cet album-là, et qu'il y mette du sien et qu'il pense à une ex ou je sais pas quoi, oui, sans doute, mais c'est pas dit qu'il voulait vraiment buter un mec, quoi. Et du coup, je me sentirais moins mal de reprendre ce genre de chanson avec ce genre d'explication de l'artiste qui dit « Bah ouais, non, là, je me suis juste tapé un délire, c'est une histoire. » Parce que du coup, oui, c'est lui qui l'a chanté sur l'album, mais du coup, lui et moi, on n'aurait pas tant de différence que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lourd. C'est lourd en émotion, cette chanson. C'est un gros bagage. J'ai l'impression que c'est en si mineur. Dites-moi dans les commentaires. Non, c'est pas du tout en si mineur. Genre en ré mineur. Sourd, aveugle et prétentieux. Ouais, mon pote, je me suis fait tout seul. Tête brûlée, je me le suis fait tout seul. Je suis qu'un homme. Je n'ai toujours vu que deux choix. Faire confiance à mes doutes ou prier. J'ai tout vu, j'ai tout oublié. Je suis qu'un.
Sourd, aveugle et prétentieux. Ouais, mon pote, je me suis fait tout seul. Tête brûlée, je me le suis fait tout seul. Je suis qu'un homme. Je n'ai toujours vu que deux choix. Faire confiance à mes doutes ou prier. J'ai tout vu, j'ai tout oublié. Je suis qu'un homme. Progression d'accord de free fall. Cher, dur de faire semblant d'être un chef. Mais avoue, je m'en sors comme un chef. Même toi, t'as pas compris tout de suite. Je paye cette vie chère. Et je les sens qui veulent s'approcher. À chaque coin de rue, ces petits chétans. Est-ce qu'on peut retourner chez toi? Bourré dans un bar, chante des chansons que j'aime pas. Je le fais en cœur avec des gens que j'aime pas. Et ça me fait un bien fou. Je les prends même dans les bras, j'en ai plus rien à foutre. Demain tout est possible, rien que de le savoir j'ai le trac. Les yeux béants, je me retournerai 25 fois sous le drap. Pour ce problème, j'aurai jamais assez d'argent. Mais pour le moment, suffit qu'on dorme dans ta chambre. Ah ouais, j'ai même pas vu passer le trajet. Téléporté par le Viano. Maintenant chez toi, je te fais tout ce que tu veux. Sur le canapé, même sur le piano. D'ailleurs, laisse-moi te jouer Strawberry Fields. Je joue pas très bien, même quand j'ouvre mes chakras. Mais sois pas gêné, je la chante pas tout seul. Y'a John avec moi dans chaque phrase. Et je le paye cher. Dur de faire semblant d'être un chef. Mais avoue, je m'en sors comme un chef. Même toi, t'as pas compris tout de suite. Je paye cette vie chère. Et je les sens qui veulent s'approcher. À chaque coin de rue, ces petits chétans. Est-ce qu'on peut retourner chez toi? Aveugle et prétentieux. Ouais mon pote, je me suis fait tout seul. Tête brûlée, je me le suis fait tout seul. Ah ouais. Et dans mes années mioches, je me disais tous des zéros, je serais mieux. Mais mauvaise pioche. En fait, je suis juste un homme. Et comme j'ai beaucoup de défauts, sauf que c'est moi dans la cour des fauves. Leurs critiques, c'est des boules de feu. J'ai rien senti pour de faux. Je voudrais tout refaire en mieux. Mais si je fais rien qu'un choix contraire, je pourrais plus la rencontrer. Faut que je puisse la rencontrer. Ça me troue le cul de me dire qu'il y a genre des vieux qui disent que le rap c'est de la merde et que ce sera toujours de la merde et que juste en mettant l'étiquette rap sur un truc en fait ou l'étiquette j'en sais rien moi ça dépend du vocabulaire, je sais pas, urbain, hip hop, tous ces trucs là ou même pop ou enfin ce que tu veux tu vois ou même t'as des gens qui aiment pas le rock et qui disent tout ce qui est rock c'est à chier et c'est tellement con. Il y a tellement de gens qui sont fermés d'esprit parce qu'ils veulent pas écouter du rap qui ferait ce genre de chanson quoi. Et je sais pas, c'est juste trop beau. Je sais pas, j'ai rien à dire de spécifique sur celle-là. Sur celle d'avant, j'ai oublié de dire que
Il sonne un peu comme un mix de Julian Casablancas. Désolé, hein, les gars, je prends l'accent anglais. Je suis anglais. Ok. Et du chanteur de Foo Chatterton. Et je pense que bah, tous les trois, ils puisent directement dans Jim Morrison, en fait. J'avais jamais vu la chose de cette façon-là, mais ça me semble assez clair. À différents degrés d'inspiration et puis différents degrés de talent vocal et de réussite dans cette inspiration-là, mais ouais, ils ont tous un peu le même esprit qui est assez bandant. Non, c'est beau, c'est juste hyper beau. Et bah, c'est simple, quoi. C'est beaucoup les mêmes sentiments qui ressortent dans cet album. Un peu l'isolation, la simplicité d'une vie de jeune, presque plus jeune. Je sais pas, l'alcool, les filles. Être un homme et avoir une sensibilité. Un thème qui revient pas mal. Et puis, ouais, enfin, il peut dire ce qu'il veut sur. Sur le fait d'y avoir mis sa vraie vie ou pas, mais une chanson comme ça, tu l'écris pas pour faire de la thune, tu l'écris pas pour ton label, tu l'écris pas pour tes fans, et tu l'écris pas en te forçant, quoi. Ça, c'est un truc, que ce soit du vécu ou pas, c'est un truc qui devait sentir à un moment donné, tu vois. Et le fait que ce soit juste un piano comme ça, atténué, muté, ça me rappelle un peu bah, justement un TikTok de Orla Gartland où elle avait foutu du scotch sur son piano et elle est devenue virale. Ce TikTok a été viral avec cette idée-là. Bah, c'est encore plus intimiste, encore plus touchant. Et quand t'enlèves en fait les super Zikos, parce qu'ils font un super taf sur cet album, je pense que c'est beaucoup les mêmes musiciens. Ça doit être le même bassiste, même batteur, même guitariste et tout, et je les kiffe. Et bah, quand tu les enlèves, en fait, il te reste les mots, et il te reste la mélodie, quoi. Mais c'est tout simple, et c'est tout con, et ça me troue le cœur. Ça me troue le cœur, c'est magnifique. Je voulais vous mettre un extrait de T sur un terme, et ça ruinerait complètement la vibe, en fait. C'est une autre énergie. Donc je vous mets un lien, pareil, en description. Merci d'avoir regardé. If there's anybody here who speaks English and watched this whole thing for some reason, you are brave. Goodbye.